les artistes togolais ont dit que les jeunes, ce que je pense d'eux, je pense que ils ont beaucoup de chance. À l'époque, en dehors de Bella Bello, franchement, il n'y avait pas la musique togolaise. La musique togolaise que nous connaissons, c'était le Haïlef à l'époque que amenait les Iti Messa, le Tempus Band, le, comment dirais-je, mon ami Tobias, Melo Togo, des choses comme ça qui représentaient bien la musique togolaise. La musique togolaise se porte merveilleusement bien. Pourquoi je dis que ça se porte merveilleusement bien? Parce que la jeunesse togolaise a su trouver sa voie. La jeunesse musicale togolaise a trouvé sa voie. Pourquoi je dis ça? Si je vois les petits Toufan aujourd'hui, je suis fier d'aller à Kinshasa, d'aller à Brazzaville, d'aller à Luanda et d'écouter les Toufan. Franchement, pour moi, c'est une véritable fierté et je salue ces jeunes. Mais je ne peux jamais oublier les aînés tels comme Afi Amala, qui, ma foi, reste une référence majeure, d'autant plus que elle a choisi une voie, mais une voie qui n'est pas facile, d'autant plus que quand on parle de la salsa, on parle pour certaines générations, on ne parle plus pour la génération d'aujourd'hui. Or, la génération d'aujourd'hui est passée à autre chose. Il y a beaucoup d'artistes actuellement. Partout, tu vois des artistes, chacun a son CD là. Voilà, dans le quartier, ils brandissent ça. Oui, mais je suis devenu chanteur, mon cher. Il passe sur une antenne à gauche et à droite. Voilà. Mais il y a des conservatoires. Si tu veux faire quelque chose ici, même pour être balayeur, il faut aller à l'école de... On ne se lève pas à aller dans un studio, aller faire... Si tu as de l'argent, tu vas au studio, tu sors et dis tout de suite. La musique togolaise, comme je dis encore une fois, comme je dis avec une, encore une fois, il faut être plusieurs pour réussir. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait les artistes, il faut qu'il y ait le public, et il faut aussi des gens qui, quelque part, comme ce monsieur Paul Ayi, qui était capable de voir et de dire que bon, telle personne vraiment, elle a du talent, il faudrait qu'on la pousse, et ainsi de suite. Moi, aujourd'hui, quand je regarde le Togo, surtout en culture, bon, je ne veux pas me positionner en donneur je veux pas me positionner en donneur de leçons, mais aujourd'hui, il me semble que les gens ont perdu leur âme dans ce pays. Que ce soit dans le sport ou que ce soit dans la musique, les gens ont perdu leur âme. Mais parce qu'à l'époque, on avait tous des guitares, on rêvait de jouer comme Hendrix, comme on se prenait pour de véritables vedettes. Il y avait tout ce courant, comme je vous dis, et c'était voulu à l'époque par les autorités de l'époque. Il y avait les grandes messes culturelles où il y avait les orchestres du lycée, il y avait les orchestres du collège protestant, il y avait les orchestres de Saint-Joseph, ainsi de suite, tout ça. Mais que reste-t-il de tout ça aujourd'hui? Pense que les jeunes peuvent être fiers. Ils avancent. Ils avancent parce qu'ils ont créé une certaine musique où le peuple qui intéresse le peuple togolais, les jeunes togolais. Et quand ils font leur, il y a beaucoup qui les critiquent en disant que oui, c'est pas ça, c'est pas ça. Effectivement, c'est basé. Par exemple, je donne l'exemple de Kourou Katié, c'est basé sur quoi? C'est un mélange de la musique zaïroise congolaise avec les coupés décalés. Ils ont donné leur petite touche qui s'appelle le Kourou Bon, il y en a qui sortent des disques, ils croient que quand je sors le disque, ça suffit. Non, quand tu sors un disque, le coût du produit, il faut
il faut la promotion, il faut faire la promotion. Et la promotion coûte trois fois le coût du produit. Ça, il faut qu'ils sachent très bien qu'on ne réussit pas dans ce milieu, les poches vides ou machin. La célébrité, ça s'achète. Il faut être armé au début. Après, tu seras connu. Quand tu seras connu, mais il faut que techniquement, il faut travailler la voix. Si tu es musicien, il faut vraiment travailler ces instruments et tout. Et le reste, maintenant, il faut un financement, un encadrement financier très solide. Sinon, rien ne marche. Tu sors un produit 6 mois après, s'il n'y a pas de promotion, c'est mort. Une fois de plus, la musique togolaise se porte très bien. Quand vous rentrez à Lomé, vous êtes dans une discothèque, vous écoutez pendant plus de 30 minutes, une heure la musique togolaise, je crois que rien n'a dit. Chapeau les jeunes. La vie est un livre. À chacun d'écrit sa propre page. J'écris la mienne. Le destin est écrit. Chacun a son rôle dans cette vie. Il suffit d'y croire. Il suffit aussi de le vivre. Ta force en toi. Va la chercher au tréfond de toi. Et pour ma part, je savais ce que je serais. Je savais ce que je ferais. Voilà bien pourquoi je crierai en disant je m'ai tracé, je marcherai, j'avancerai, je réussirai. Et les gens verront, ils s'étonneront, ils diront voilà Dieu donné qui fonce. Je m'ai tracé, je marcherai, j'avancerai et je réussirai. Et les gens verront, ils s'étonneront, ils diront voilà Dieu donné qui fonce. Alors, quand je parle d'essence, ça veut dire que tout simplement, aujourd'hui, le vivier n'y est plus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On copie des gens qui, eux-mêmes, ont copié une musique qui vient qui vient du Congo. Et là-dessus, on répète de sempiternelles ballades insipides. Mais et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors, moi, je pense qu'il faudrait que les autorités prennent conscience que, quelque part, il faudrait de nouveau insuffler cette âme-là, cette fibre profonde qui fait que, bon, quand on est là, il s'avance. Quand vous prenez le Sénégal, vous voyez le Youssou N'Dour, vous voyez toute la flopée des gens qui sont derrière, qui s'engouffrent, ainsi de suite. La carrière d'un artiste ne se limite pas sur 1000 chansons, mais la carrière et la vitalité est perdurée dans l'histoire. Se limite justement, et se compte plutôt, je vais dire, par une détermination de faire des œuvres qui vont traverser des siècles. Et déjà, c'est un grand pas que les Toufan peuvent remplir le stade aujourd'hui. Il y a Omar Bi, il y a beaucoup de jeunes qui évoluent. Et moi, je pense que je ne peux qu'être fier d'eux et je suis très content que ça évolue et je pense que ça va aller encore plus fort. Serge la merveille de Paris. Junior à Moussol. Il y a même des gens comme, désolé hein, parce que là vous m'avez branché, il y a des gens comme comment il s'appelle, Roger Damaouzan, mais ça veut dire que c'était du James Brown, ça veut dire que vous le sentiez, vous voyez en lui. Et, où sont-ils? Perdus dans la nasse. Johnny Hallyday, lui, ça fait, je l'écoutais quand j'étais petit. Je l'écoutais quand j'avais 18 ans. Et aujourd'hui, quand je ne sais, je ne vous dirai pas mon âge, aujourd'hui, quand je ne sais, je l'écoute toujours. Il est toujours d'actualité. Il est là. Il a la flamme. Il met le feu. Alors, où sont les gens qui pourraient mettre le feu chez nous? À bon entendeur, salut. À bientôt. Oh.
Pourquoi tu es assis? Pourquoi tu vas danser? Go et t'as viré.